tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous sommes le mardi 27 mai et on se retrouve pour une vidéo unboxing d'un colis qui me vient de chez Biggest Craft et ce sont des achats que j'ai donc fait avec mes petits sous. J'ai donc acheté 4 toiles. C'est une collection. Ces toiles, je les ai découvertes sur une autre chaîne. Et j'ai adoré le concept. Voilà. Donc du coup, il y a quand même 4 toiles. Donc je vais vous en présenter 2 en première partie. Et je vous ferai une deuxième vidéo pour les 2 autres toiles qui restent. Voilà. Donc ce sont des toiles d'une collection des reines de saison. Donc, vous avez la reine d'hiver, vous avez la reine d'automne, vous avez la reine de l'été et vous avez la reine du printemps. Donc là, pour cette première partie, nous allons faire printemps et été. Voilà. Donc, comme je vous le disais, ce n'est pas un partenariat, ce sont des achats. Que j'ai fait sur cette boutique Biggest Craft, c'est une boutique qui fait exclusivement du point de croix. Il y a beaucoup, beaucoup de choix. Je vous invite quand même à aller faire un petit tour. Il y a des frais de port qui s'élèvent à 5,95 € je crois. Si vous ne dépassez pas, il me semble, 39 $ d'achat. Vous payez des frais de port. Au-delà de 39 $, vous ne payez pas les frais de port. Voilà. Donc, ces toiles, je les ai donc découvertes sur la chaîne de Angélique Crochet et ses loisirs, je crois que c'est le nom de sa chaîne. Sinon, au cas où, je vous mettrai donc le nom de sa chaîne en barre de description. Elle en avait eu une, je crois que c'est celle du printemps en partenariat. Je crois que c'était avec Vip Cross Stitch ou Biggest Craft, je ne sais plus, parce que fut un temps, ces toiles, on ne les trouvait plus. Donc, il a fallu qu'ils en remettent en vente. Et donc, en choisissant cette toile donc en partenariat, Angélique a eu l'agréable surprise de voir que ce n'était pas que du point de croix, mais qu'il y avait aussi du point perlé. Et c'est vrai hein, ce qu'elle disait, hein, j'ai eu beau retourner toute la description des toiles dans tous les sens, il n'est pas indiqué que ces toiles ont des perles. Donc, je trouve ça vraiment dommage que dans la description de la toile, ce ne soit pas indiqué. Parce que peut-être que ça plairait beaucoup à certaines personnes de pouvoir faire du point de croix et en même temps du point perlé. Et du coup, bah, si ce n'est pas indiqué, elles ne peuvent pas le savoir. Et dans le cas contraire, peut-être qu'une personne ne la voudrait qu'en point de croix. Et en fait, peut-être qu'elle serait déçue s'il y avait des perles. Donc, je trouve ça dommage que ce ne soit pas indiqué. Ce serait quand même bien pour que les gens puissent choisir la toile en connaissant toutes les caractéristiques de la toile. Je vais y arriver. Donc, on va commencer par la reine du printemps. C'est une toile en 11 CT qui fait 52 cm par 75. Donc, c'est une belle taille déjà. On va regarder ça ensemble. Voilà, donc dans une petite pochette comme d'habitude, avec toutes les inscriptions au dos dont vous pourriez avoir besoin pour vous aider à faire votre point de croix, les points que vous êtes susceptible de rencontrer sur la toile et toutes les instructions qui vous seront utiles une fois que vous l'aurez terminée pour la laver et la repasser. Voilà, on ne va pas trop s'attarder. Donc, voici l'illustration de cette jolie reine de printemps. Elle est belle, enfin moi j'adore en tout cas, j'ai adoré. Donc elle se présente sous forme de livret, papier glacé, mais enfin voilà, elle se présente en 6 parties. Donc voici la première, donc ça c'est le haut de la toile avec le visage et le haut du corps, le bras. Sur la deuxième page, vous avez donc la fin de son visage avec un bouquet de fleurs. Et ici,
Vous avez donc le bas de la toile, donc ce sera sa robe, hein. Voilà. Et là, vous avez les deux dernières parties, donc ce sont les bas de robe. Voilà. Donc, il y a plusieurs sortes de points sur cette toile. Nous avons 40 couleurs en full stitch. En tout, cette toile fait, que je vous dise pas de bêtises, hein, fait 47 couleurs en tout. Voilà, 47 couleurs au total, 40 couleurs de full stitch. Nous avons du backstitch, donc 3 et 3, 6, 7, 8, 8 couleurs de backstitch. Nous avons deux couleurs de 3 quarts de point. Et ici, ce sont les points perlés. Voilà. Donc, il y en a 6. Voilà. Donc, le 3 quarts de point, j'ai cru le voir tout à l'heure quelque part ici. Donc, le 3 quarts de point, ce sera ce point-là. Ici. Voilà. Bon, bah, il va y avoir du travail quand même, hein? Et donc, les points perlés, c'est tous les ronds qui sont indiqués sur le patron. Donc, vous en avez au niveau des boucles d'oreilles, vous en avez au niveau de ses cheveux. Vous en avez aussi au niveau de sa robe, dans les froufrous là. Vous en avez un petit peu aussi dans les petits branchages qui forment le bouquet. Vous en avez aussi un tout petit peu à l'intérieur. Vous en avez dans la robe, quelques points par-ci, par-là. Vous en avez ici, vous en avez là. Vous en avez quelques points par-ci, par-là, en haut. Et tout le tour, donc, de la robe dans les froufrous, ici. Ce seront des perles. Là aussi, ce seront des perles. Tous les petits ronds que vous voyez sur le patron, ce sont des perles. Donc le backstitch, évidemment, il y en a. Il n'y en a pas partout. Ça va, il n'y en a pas énormément. Je pensais qu'il allait en avoir beaucoup plus, mais il n'y en a pas énormément. Donc là, dans les petites branches qui forment le bouquet, il y en aura. Les contours, hein, forcément, du visage. Ici, pour faire les yeux, le cou. Ici, vous en avez un pour faire son collier. Vous en avez un peu ici. Un petit peu ici pour faire les contours des froufrous. Un petit peu dans les cheveux en extérieur. Et là, il n'y en a pas beaucoup, beaucoup. Je pensais qu'il allait en avoir plus que ça. C'est beaucoup, beaucoup de contours. Et vraiment pour donner de la vie aux fleurs. Là aussi, c'est du contour. Un petit peu. Et dans le reste, c'est où? Il est où mon... Ah bah c'est là. Ben, dans le bas de toile, il n'y en a pas énorme. Hein. Vous voyez, c'est vraiment pour faire les tiges des fleurs ou des choses comme ça. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ça va. Donc, vous voyez, hein, je vais vous l'approcher. C'est quand même très très bien imprimé. N'y a pas de bavure, le... Enfin, nickel. Très très bien imprimé. Donc, pour le patron, c'est vu. Le nombre de couleurs, c'est vu. Les perles, c'est vu. On va passer donc à la toile. Bon, poupou. Comme on la voit bien. Ah ouais, elle est belle. Hein. Alors, évidemment, vous retrouvez toutes les indications ici pour faire vos points perlés. Ici, c'est pour le 3 quarts de point. Ici, ce sont les points full stitch. Le full stitch continue en bas de toile. Et sur le côté gauche, pardon, ce sont les points en backstitch. Voilà. Et c'est très très bien imprimé. Regardez ça. C'est imprimé gros et très très lisible. C'est nickel. Franchement, on ne peut pas dire qu'on ne voit pas. Hein. C'est vraiment super bien fait. Enfin, moi, j'adore. Donc, voici notre jolie reine de printemps. Voilà.
Donc, comme je vous le disais, tous les petits ronds que vous voyez, ce seront des perles. Voilà, ici, ici. Hein, comme je vous disais, ici, un petit peu dans la robe. Là. Oh là là. Ouais, tous les ronds, ce seront des points perlés. Donc, évidemment, tous les ronds. Attendez, je reviens, je vous mets en pause parce que mes chats font vraiment trop de bazar. Recoucou. Alors, excusez-moi. Donc, voilà. Donc, là aussi, ce sera une perle. Ici aussi. Donc, en fait, sur la toile, ce sont des ronds. Enfin, sur le patron, ce sont des ronds. Mais sur la toile, les points perlés, ils sont comme ça, vous voyez? C'est pas tout à fait fait de la même façon, donc il faudra faire attention. Au pire des cas, se servir du patron en cas de doute. C'est le meilleur hein, de toute façon à faire pour ne pas se tromper. Et regardez l'impression. Elle est juste magnifique. Oh là là. J'adore. J'adore. C'est vraiment. Oh ouais, regardez ça. Pouh. Donc, il y a des zones blocs. Il n'y a que des zones blocs, en fait. À part pour le point perlé, mais il n'y a que de la zone bloc. C'est vraiment magnifique. Enfin, moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Vous me direz ce que vous en penserez en commentaire. Donc, voilà pour la reine du printemps. Donc, évidemment, le point perlé se fait en dernier, hein, une fois que votre toile est finie de broder. Il y a de très très belles couleurs. Donc ce ne sont pas des perles comme la broderie perlée que je vous ai montrée avec mon loup. Ce sont vraiment des toutes petites perles, vous savez, celles que les enfants se servent pour nous faire des petits colliers, des bracelets. Ben, ce sont exactement les mêmes perles. Elles sont vraiment toutes petites, hein. Elles sont minuscules par rapport aux autres toiles. De broderie perlée. Les couleurs, elles sont juste magnifiques. Je vais vous les montrer tout de suite. Donc, par contre, c'est écrit sur les sachets en stylo noir, là, vous savez, au marqueur. Donc, je pense que remettre une petite étiquette à force d'ouvrir, de refermer les sachets, j'ai peur que les inscriptions s'en aillent. Donc, c'était présenté dans un sachet comme ça, avec tous les petits sachets de perles et à l'intérieur, sur un petit bout de toile, ils nous ont mis donc l'aiguille qui servira à mettre nos perles sur la toile, à broder nos perles. C'est vraiment une toute petite aiguille, toute fine. C'est vraiment super fin. C'est très très fin. Donc il n'y en a qu'une, hein. Donc à ne pas plier en deux. Je la remets à l'intérieur pour pas la perdre. Donc voici les perles. Voilà. Ce sont des toutes petites perles comme ça. Donc celles-ci, elles sont blanches. Ouais. Enfin, blanc nacré. Ça me fait penser, vous savez, un petit peu à. Elles ont du. Comment on dit? Quand on joue comme ça fait comme des petits reflets aussi. Ça me fait penser un petit peu au diamant AB. Ça fait un peu pareil là. Quand on joue avec, elles sont un peu holographiques. Ici, nous avons un bleu. Très joli, j'aime beaucoup. Un autre bleu, un petit turquoise ici. Très très joli. Donc le 46, ce sont les perles qui iront ici. Voilà. Il est beau ce bleu, j'aime beaucoup. Nous avons une petite couleur menthe à l'eau, là, un peu un bleu. Ouais, c'est un bleu, bleu. Oui, c'est un bleu, hein. Mais vraiment très, 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 très clair. Voilà, une couleur à l'eau un peu, hein. Très jolie. On a un petit rose ici. Très joli aussi, un peu irisé, hein. Toutes les perles sont un petit peu de couleur irisée, c'est très joli. Et pour finir, nous avons un jaune.
Voilà de quoi est composée la toile au niveau des perles. Donc de très jolies couleurs. Six couleurs de perles différentes. Hop! Et hop, voilà, pour pas les perdre parce que c'est vite fait. Et oh, j'avais pas vu, dis donc. Il y a un fil argenté dedans. Bah, je vais vous faire voir. Oh, la surprise. Donc, nous n'avons pas de toolkit pour cette toile, mais nous avons donc deux plaquettes. Et nous avons donc les aiguilles attenantes aux plaquettes. Donc, par contre, je vais peut-être juste dégrafer pour vous montrer parce que sinon, c'est compliqué pour vous les faire voir. Je vais replier ça pour que vous puissiez bien voir les fils. Alors, première plaquette. Ce sont des couleurs de 1 à 30. Donc, voilà, on a du violet, nous avons des bleus, nous avons un petit rose fuchsia ici, des petites couleurs lavande, des petites couleurs un peu orangées, marronnées. Ici, c'est entre du jaune, ouais, un jaune pâle mais très. Si c'est un petit marron, je sais pas comment vous dire ici. Un autre violet. Ici, on rentre dans les couleurs de jaune. Voilà, ici, un blanc cassé, un blanc crème. Ici, nous avons des petits orangés très clairs. De l'autre côté, hop, il y a du rose, il y a de la lavande ici, couleur lavande ici, c'est un rouge. Ici, c'est un rose très très pâle, très joli. Nous avons du vert. Voilà, différentes teintes de vert, du marron, un bleu ici, on retourne sur des verts. C'est un rose encore plus clair que l'autre et trois teintes de vert différentes. On a pas mal de verts quand même sur cette plaquette. Hop! Et pour l'autre, donc des couleurs 31 à 47. Alors, attendez que c'est un peu le fouillis là-dedans. Voilà. Donc, là, on repart quand même sur des couleurs un peu plus tendres, Ouais, c'est du tendre, hein, c'est du rose. Ouais, différentes sortes de rose, de violet, du bleu. On a un marron ici, une petite couleur pêche, très jolie. Et voilà, c'est ce fil-là dont je vous parlais, le numéro 40. C'est un fil un peu. Je sais pas comment on dit. Ça se divise, ça? Ah oui. D'accord. C'est un fil doré, en fait. Donc, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ce genre de fil, on a du fil coton, du fil de soie, mais ce fil-là, je ne sais absolument pas comment il se nomme. Moi, je vais appeler ça un fil paillette, hein, on va dire ça comme ça. Si quelqu'un sait comment on appelle ce genre de fil. Très sympa. Donc voilà. Donc je vais vous montrer après où on met le 40. Donc c'est un argenté, hein. C'est super joli. On repart sur un bleu. Ici c'est un blanc cassé. On a encore du bleu. Là, on part dans des marronnés orangés. Ici c'est un petit orange aussi. Et là, bleu, marron. Et ici, la couleur 13. Donc c'est un blanc cassé. Donc le 40, il va où? Ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Le 40, c'est la couleur 52-82. Ah ouais? Et donc le 40, c'est des petites barres vertes. Le 40, c'est des petites barres vertes. Elles sont où les petites barres vertes? Elles sont là. Donc ça va aller dans les fleurs.
Elles sont ici. Donc ça va aller dans les cœurs de fleurs de la robe, en fait. Ici, il y en a. Il n'y en a pas tant que ça, hein. Il y en a vraiment qu'un tout petit peu. Ah, et dans la couronne, au niveau de la tête. Voilà. Ouais, au niveau de la tête, deux, trois petits points par-ci, par-là. Mais il n'y en a pas tant que ça sur la toile. Mais bon, très joli. Je suis agréablement surprise. Je trouve ça très beau. Voilà pour cette première toile, donc la reine du printemps. Voilà. Donc, si vous avez besoin des liens, je vous les communiquerai, bien entendu. Voilà. Ensuite, nous allons passer à la reine d'été. Donc, toujours du 11CT, 55 par 76. Donc, c'est aussi une belle taille. Donc, je pense qu'elles vont se présenter un peu toutes sous la même forme, hein. Voilà. Donc, c'est ce que je vous expliquais en début de vidéo pour la première toile. Donc, ce sont exactement les mêmes instructions. Ici, vous avez donc l'illustration. Donc, celle-ci, c'est la reine d'été. Très jolie. Ça va être de beaux bleus, des turquoises, je pense. Petite couleur comme ça, bien sympa. Donc, le patron se présente exactement de la même façon que la toile précédente. Donc, voilà, hein, comme vous voyez, il va y avoir du backstitch aussi sur cette toile. Elle est juste magnifique. L'impression est super bien faite. Donc là, le haut de la toile, ici, nous avons le milieu et le bas de toile. Et là, ce sont les deux diagrammes pour le bas de la robe. Voilà. Et donc, nous allons regarder les points. Donc, en full stitch, nous avons 25 couleurs et en tout, elle en fait 35. Donc, en full stitch, 25 couleurs. En backstitch, nous en avons 3. Les points perlés, par contre, sur cette toile, on en a 2 de moins. Il y en avait 6 pour l'autre ici, il n'y en a que 4. Et nous avons que du full stitch. Full stitch, backstitch, pardon, et le point perlé. On n'a pas de 3 quarts de point sur celle-ci. Voilà, donc on a du bleu, hein, si vous avez regardé beaucoup de coloris de bleu. Hop. Hop, je vais vous faire voir la toile. Ah, elle est belle, donc exactement imprimée. Donc je ne vous ai pas précisé, mais les toiles sont surjetées, hein. La première était surjetée aussi. Voici donc la deuxième. Donc bien imprimé, hein. Vous retrouvez tous les codes couleurs sur les côtés et en bas de la toile. C'est imprimé suffisamment gros, on voit bien. On voit très très bien. Donc voici cette jolie reine d'été. Regardez ça. Donc ce sont des toiles partielles, hein. Le fond n'est pas à faire évidemment. Petit point par-ci par-là. Magnifique. Très très bien imprimé. Donc comme vous pouvez le voir, beaucoup de zone bloc. C'est peut-être juste la tête, enfin au niveau de la chevelure et de la couronne des fleurs, tout ça, où il y aura peut-être un peu plus de travail en fait au niveau des points. Parce qu'il y a tout qui se mélange, il y a les points perlés, le point de croix. Et comme le point de perlé se fait en dernier. Magnifique, hein? Elle est super belle. Moi, j'adore. Voilà, très bien imprimée. Moi, franchement, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, je vais vous la plier. Non, c'était pas fait comme ça. Alors, moi, je fais que des bêtises. En plus, je viens de regarder une vidéo de Catherine. Elle a fait un déballage, un unboxing de chez Temu. Et elle disait qu'elle pensait à moi sur sa vidéo parce qu'elle n'arrivait pas non plus à remettre les choses comme elles étaient. Donc du coup, je suis tranquillisée car je ne suis pas seule. Voilà. Alors du coup, les perles, on n'en a que 4.
Donc voilà, présente exactement de la même façon, hein, dans un grand sachet zippé, pour y mettre les petits de perles. Donc ce sont des perles un peu nacrées jaunes. Voilà, ici ce sont les mêmes que je vous ai présentées sur la toile précédente. Donc ce sont des perles transparentes, enfin translucides, mais holographiques. Très jolies, j'aime beaucoup ça. Nous retrouvons donc des bleus et des oranges. Les oranges, ils sont super belles aussi. Très très jolies. Et donc la petite aiguille qui va nous servir à broder nos perles. Voilà. Donc, hop, on remet tout pour pas tout perdre. Oh là là, qu'est-ce qu'elles sont belles ces toiles. Donc ça c'est bon et nous allons passer au fil. Donc nous n'avons qu'une seule plaquette et donc ah non deux, pardon. Donc comme d'habitude hein, les aiguilles sur la plaquette. Donc je vais détacher. Me faire mal avec. Voilà. Donc on va commencer de la couleur numéro 1 à 30. Donc comme vous voyez, c'est beaucoup de teintes de bleu, un peu de gris, mais beaucoup de bleu sur cette toile. Voilà, ici nous avons des gris. Ici on a un petit marron. Des bleus toujours. Ici on a un jaune, un peu vert. Un petit fuchsia. Ici nous avons trois sortes de verts. Ici, nous avons un blanc cassé. Ici, nous avons deux petites couleurs orange très claires, un peu des couleurs peau. Ici, c'est un gris, mais très, très, très clair. Un joli petit bleu ici. Et de l'autre côté, donc, on se retrouve avec des couleurs de marron, un blanc crème. On retombe sur des couleurs un petit peu grenat. Voilà, ici un bleu pan, très joli. Un vert kaki, un bleu. Un bleu foncé. Ici, une couleur peau. Et là, pareil, c'est un vert. Donc là, ce sont des verts. Vert, celui-ci est un peu marronné. Un petit vieux rose ici. Et on se retrouve avec un bleu très joli là et du blanc. Et là. Alors, le 30, c'est du blanc ou c'est pas du blanc? Parce que il y a des choix entre les blancs cassés, les blancs pas tout à fait blancs. Et si, ça, si, si. Donc, le 36, c'est quoi? Oh ben non, pourquoi ils m'ont fait ça? Donc, il y a 35 couleurs et en fait, le reste du blanc, ils me l'ont mis sur le 36. Ça, par contre, ouais, c'est pas cool. Mais bon, c'est pas grave, on s'y retrouve quand même. Donc, dernière plaquette, ce sont des petits oranges. Ici, très foncé, très clair, pardon. Excusez-moi. Un petit orangé, ici aussi. Un bleu, un petit rouge brique, un peu. Et le reste du blanc. Voilà. Voilà pour les fils. Mais écoutez. Ce petit unboxing est terminé pour moi. Donc voici la première partie. J'ai encore deux autres toiles à vous présenter. Donc je vous ferai une deuxième vidéo. Là, je vais vous remettre sous les yeux les deux toiles que je viens de vous présenter. Voilà. Donc il s'agit de la reine du printemps et de la reine d'été. Voilà, bah écoutez, moi je vous fais à tous et à toutes de gros gros bisous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et on se retrouve très très vite pour la deuxième partie de cet unboxing de la boutique Biggest Craft. Plein plein de bisous, à bientôt!